ta mère. C'est là, mon bébé. Père, putain, nique sa mère, quoi. Wesh mec, bonjour les filles. Wesh Elin. Salut Jade, je veux dire, excuse-moi. Ouais Jade, je date. Ouais, si tu le dis. Salut, ça depuis tout ce temps. Très bien, et toi, Jade? Combien de pourcents là? Ouais, 13%. Ouais, Nassim. Nas. Ouais. Ça va quoi? Ça va quoi? Tranquille. Clemsco, il est parti boucher au fait. Tranquille. Si tu m'entends parler normal, c'est pas tout seul. C'est normal. Bah, au calme, j'adore. On va où? Un as.
viens vers toi. D'HP, Ouais, je suis là. Si t'as du sang ou quoi, me dépanne. Vas-y, prends rien, fils de pute, là. Là, je voulais apprendre pour moi, c'est moi qui attends mon fils de pute. Ah bah, mec, je rentre dans la barre, y'a un mec qui me surprend sur ma gauche, gros, je suis flippé, main. Aïe, Smoky, Smoky. Salut tout le monde. Salut Tuchel. Comment te va? Tranquille ou quoi? Tranquille. Moi j'en ai marre là. Il va falloir que tu viennes en ligne parce que j'en ai marre avec des autistes. Ah, ça appelle au secours. Je comprends. Non, pas au secours, pas au secours. C'est que j'en ai marre de jouer avec des autistes quoi. Ah. Il y a des nouveaux. Ouais. 5-3 ma foi. Ah gros, j'avais un. Ah, j'ai plus de balles. J'ai pompé la PM aussi, je suis dans la merde. Pause. Toujours mon numéro. Je sais pas, j'attends pour moi, mais ça va dessus. T'as des balles ou pas? T'as des balles ou pas? Deux. Deux PM et pompe. PM et PM. PM, ouais. À zéro, vraiment 0-0 quoi. Oh, tu me raquettes là! Non, je te raquette pas, c'est juste que j'ai pas balle vraiment. Je rigole, je rigole. Ah, vas-y, sérieux, putain! Zéro, voilà. Vous êtes tous en ligue ou il y en a ils sont sur. Ah non, ils sont sur un autre jeu, vas-y, refais un groupe. Bon. Vas-y, bah refaites un groupe les gars. Et allez, comment ça? Ah, ça a été fait. Peut-être gagner avec un peu de chance. Oh, y'a un feu de camp là. Calme. Vas-y, lui me vénère, prends rien du tout, ça commence à me gaver. Vas-y, gros, t'as marché là, kick. Ouais, cool. Il y a des mecs en haut, là-haut,
On y va. Ouais, je pense qu'il y a déjà une team qui sont en train de se fight. Je sais pas du tout. Non, ils sont là. Toi, t'es un mec chaud, toi. Touché 9. Ah là ils sont super lents. Ah ils m'ont fait tomber. Un KO. On y va. Il faut rusher, il faut rusher. Fais gaffe, il a un rocket. Ah ouais mais tu laisserais Oh sauvage. Cadeau, je te laisse le lance-roquette gros. Non non mais je parlais en mode kill là. Ah ok. J'ai cru que tu parlais niveau Non. Gros c'est toi tu les as tués. Bah je sais pas moi l'autre je lui ai mis un 72 gros il a pris cher mon pote. Non mais genre moi j'avais qu'une PM grise gros genre je leur mettais 4 fois du 9 tu vois des trucs comme ça. Ah ouais. Ah non mais c'est une salle. T'as des balles pour la Thompson. Ouais j'en ai. C'est quoi c'est AR. Ouais. Tu as des roquettes. Je vais dire ça. Ouais, j'en ai deux, tu vois. Ça doit fight là-bas là. Ah ouais, mais bien ça va en zone hein. Mmh. Pas dans la zone. Mmh. Pas dans la zone. Par là, mais après là, je vais aller en zone. Je regardais par là, vite fait. Par là, vite fait. Tu vois. Nouveau tilted, nouveau tilted. J'aime pas. C'est un peu bizarre. Ouais, t'es pareil que moi, toi. T'es pareil que moi, toi. T'aimes pas non plus, toi. T'aimes pas non plus. On dirait qu'il n'y a pas de loot en fait. Ah ouais, ouais moi je bah comparé. Si, si, mais. Pas, j'aime pas. Ta mère. Il y a une grosse pote pour toi si tu veux. Vas-y. Comme ça, tu. Le nouveau pont qu'ils ont fait là, il est pas mal. Ah, je le kiffe, là je l'ai en légendaire gros. Sérieux? Ouais. Il doit faire ultra mal. Ah bon, je vise la jambe, il est KO. Moi le mec là, j'avais la caverne, tu vois, je lui mets 72 plus des 38, mon pote. Et, oh, lolo. Et pour te dire, en normatif, je le trouve même pas ce pont. Sérieux, je le trouve comme ça. Dans normal, mais pas en normatif, des barres. Ah gros, c'est trop chaud. Après, tu m'étonnes. T'as combien de kills, toi? Ah putain. Ah, je parle dans en partie. Ouais, excuse-moi, là j'ai changé de chat du jeu sans faire exprès. J'avais oublié ce détail là. Ce petit chat du jeu, genre tu peux cliquer en. Genre chez nous, c'est genre soit la partie, soit le groupe, genre. Je peux avoir les deux, genre. Je peux parler avec ceux-là dans le salon et tout, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais. Y'a pas de monde pour l'instant. Y'a des mecs derrière nous en boule. Y'a deux mecs en boule, en gros y'a une équipe. Viens moi essayer de prendre le colis. Ah ça, ça a pris le colis, ça veut dire il y a du monde. Et on prend la colline. Au moins on a la hauteur. C'est ça, il faut prendre direct la colline sinon direct on va se faire baiser. Qui tire sur qui? Construit comme ça, vas-y.
Il est déconstruit pour moi. Oh là là! Merde. J'ai pas eu le temps de... Non mais c'est moi, je fais... Gros, je suis là, je fais de la merde. Oh, non. Tiens, il est déjà 21h. Non mais gros, mais il pète sa mère. Non, moi je la kiffe en vrai. Mais il pète sa mère. Moi j'adore. Moi j'ai une musique comme ça. En même temps, tu connais une musique de Lil Uzi Vert que t'aimes pas? Moi perso, j'en ai aucune que j'aime pas de lui. Moi aussi, frère. Moi aussi, frère. Tu vois, c'est pour dire que. Chaque fois il sort à soi, tu vois, Lil Uzi Vert, Bad Bunny, tu sais que ça va être toi. Ah, je suis désespéré. Mais non, ils ont pas mis au truc au volcan, mais en mode au volcan, jamais ça. Ah, ils ont rien. Ah, mais moi, tu sais quoi, mais moi, tu sais quoi, Frank, là, y'a pas Fortnite, là, y'a pas Fortnite, je sais pas, c'est bizarre, Y'a eu plein de trucs, t'es pas là pour moi, y'a plein de trucs. Attends, moi je dis je descends, j'ai raté mon truc, il y avait un mec. Les deux reprennent les geysers. Aïe! Genre, y'a un mec sur toi là? Ouais. Essaye de tenir là, je vais essayer de le sniper. Je vais essayer de le combat. Il a pris, il a pris, il va touch. Ouais. En 24, dans le blanc. Je mets au moins 24 de loin, Mais non, je l'ai mis long en plus! Ouais, bah je m'en doute aussi. Prends ton gros tag, 24 dans les airs.
tu vois. Attends, je suis en train d'arriver, gros. Attends, d'arriver, gros. Oh, tu pourrais me récupérer les petites potes juste après la lave, j'ai pas de construit. Ah, mon... J'entends le fourgon. Ils sont où les mecs? Ils sont où les mecs? Avec ça comme stuff le mec? Avec ça comme stuff le mec? Non, non, arrête. Ouais. Il n'y avait pas que ça comme stuff. Mais je pense qu'ils sont longs. Mais je pense qu'ils sont longs. Ils vont pas nous voir de là. Il y a un camp. J'espère qu'il y a un fond. Et allez, il y en a pas. Et en plus, j'ai plus son nom. Je l'ai même plus. À qui? À une pote avant. Elle est venue sur mon live. Non, l'autre live, il peut pas parler. Quoi. Mais non, ça fait des grands live Twitch. À YouTube. Ah, ça gère ses abonnés. Non, pas du tout. Yes. Non, pas du tout. Au calme. C'est trop, ils font. Je leur propose des lives. Tu te rends compte? Ouais. Je crois que tout le monde le ferait pas. On va faire des lives comme ça. Wow, j'ai envie de faire un live. Et si le mec c'est toi qui arrivé avec un jump là? Ouais. Oh, mais tu non, m'as fait bader gros. Oui, j'ai flippé ma rage, j'ai fait ouais, y'a un mec derrière. Ah ouais, d'accord, c'est toi, ok. J'ai badé moi, j'ai fait ouais, c'est qui ça encore? Putain, eh, heureusement j'ai bien placé la balle pour qu'il tombe. Je pense qu'il allait finir. C'est sûr. Ah, obligé. Ouais, c'est y'a que ça maintenant. Moi, tu vois, je l'ai fini, ça dépend. Par exemple, y'a. Ça finit un de mes potes, je vais finir un de mes potes. Ouais, c'est un peu normal. Parce que là je peux faire encore un bon stuff de ouf. Y'a un mec devant moi. Ah, je l'ai en sandwich, gros. En sandwich. DPM en sandwich. Oh gros, mais qu'est-ce que j'ai là? Y'a un mec au baraque. Oh mais gros, j'avais terminé son pack. J'étais à 3. Non mais mec, je l'ai couché, hein. Je l'ai couché l'autre. Pratiquement, je lui ai mis 2 balles, j'ai eu le temps de mettre 2 balles. Ah lui tu l'aurais terminé, moi j'aurais terminé son. Mais en plus toi tu lui mettais une balle, gros il tombait quoi. Sans HP, tu mettais une balle dans le crâne, il tombait quoi, fils de pute là. Ah,
Ah, je suis chaud hein, quand même, là, je viens de voir la diffusion là. Ouais, comment j'ai des beautés le cul au mec. J'avais même pas vu ça sur mon écran. Ah ouais, je lui ai mis un 35 et un 40 de pompe aux pompes. Non, ça c'est ma sonnerie sur Facebook quand quelqu'un m'appelle. Je l'ai changé. Je sais pas si Jade est toujours dans mon live, mais c'est chaud. Hein. Parce que là, m'a envoyé un message, mais après, elle est sur le live, il n'y a plus rien. C'est méga mal. C'est quoi, c'est méga mal? Ils ont des fois, ils ont donné des noms chelous hein, sur le jeu. Ouais, mais là ils sont mieux. Néo Tupéda, allez. Là ils brassent des milliards et des milliards et on a long. Mais où tu t'aides, je vais payer le mec 10 000 balles pour ça. Hop, hop, hop. Allez, on le chasse en fait. Oh non, ils ont fait un centre commercial, genre. C'est la puff, ça. Ça veut dire on est tout seul et on se fait tout ça. Tu l'as mis le pompe, là? Parce que là, j'ai plus le point. Ouais. Il est là-bas. Je sais pas, je le vois plus le point. Il s'est barré, cet enfoiré. Ouais, il s'enlève. Il y a un arc en légendaire là. Ouais, mais probablement ça me plaît. Thank you.
BM bleu, BM bleu. Mais t'es un loup, toi. T'es un loup, toi. T'inquiète. J'ai une... Mais qu'est-ce qu'on dit, ça? T'as une Pégase, hein? T'as pas un bon loot. Pas un loot de merde, en tout cas. Allez, hop, chasseur violet. Je sais pas si c'est un chasseur. Moi, il ressemble au chasseur. Ouais, bah, c'est un violet. Vas-y, t'es chaud, on prend une faille, bien sûr. Là. C'est ça, je prends les mini-poches. T'as fait exploit. Moi j'ai fait un stage, j'ai fait 4 ans. Vas-y, ça va donc payer, comme ça on est large. Vas-y, ça a pas été fait l'entrepôt. Petite palette et tout, petite palette. Thompson. Non, on va garder la PM. Thompson ici, bon. T'aimes bien jouer avec. Le coffre, il a été. Il a souri, t'as pris le coffre? Toi qui t'as pris le coffre là, non. Genre tu dois mettre une marche pour pas que ça tombe en bas de dossier. Oui c'est moi ça. Oui c'est moi ça. Ouais. Je l'ai fait parce que j'ai pas envie d'aller chercher du loot en bas. Non parce que je vais dire sinon il y a un mec qui est venu ici, il a pris juste ce coffre et il s'est barré. Les gars. Ils sont hauts sur la colline là. Regarde. T'as vu? Putain, avec son petit gueule de merde, il a un mouche. Sérieux, je l'ai pas. Bombardé. 55 dans la tête. C'est fils de pute. Vas-y, tire dessus là. Pour qu'il lève sa tête. Mais t'es sérieux, je l'ai pas là.
Ça a échalé là. Sur ta tête. Oh non, il m'a vu. Une tête 62 le mec dedans. Une tête 62 le mec. Il est en bas les frelons en zone là, ouais. On va essayer de les câbler. Hein. De toute façon, on est en train de les bloquer là, on n'est plus avancé. Ouais, parce qu'il a pas compris, je suis plus là. Ouais, je crois non plus. Ouais, je crois non plus. De 26, le mec. Ah, mais gros, comment il m'a de là? Oh mais il y a deux tirs là. On va se faire fight. Viens, je mets un jump et on se barre. Vas-y. Oh non, ça partait trop en couille là. Ah, là aussi ça part en couille, y'a le fait. Non, non, promis. En plus j'ai un jump aussi. J'ai un jump aussi. Ça fait une faille au-dessus de nous gros. Au-dessus de nous. Oh putain. C'est pas grave. Allez. Viens, on prend ça comme ça, on se barre, je sais pas où. De prendre la tribune. Mais non, il y a aussi un mec en bout là, mais on va. Et en plus, c'est même pas en zone. Il était même pas là. Enfin, c'est pas là. Ça veut dire on est 22 pour cette zone. Oh putain, j'ai pas vu. Putain, j'ai pas vu. Ok. Yes, on est bon. Il y a des mecs qui se baladent pas loin de nous. Ils se baladent pas loin de nous. Dans le tunnel. Je vais essayer de prendre un truc en hauteur. J'en fous de... Y'a rien en hauteur. Oh, t'as entendu? Oh. T'as entendu? Ouais. Y'a une boule pas loin. Y'a une boule pas loin.
On essaie. Viens, on va là-bas en vrai, parce que là c'est trop tricard, gros. Y'a rien en hauteur. Oh là, j'ai envie de jouer safe. Oh, moi aussi, ça... enfin, moi aussi, ça faudrait faire un top 1 pour lui. Faire un top 1 pour lui. Là, parce que gros, là on a la loot, on est bien, j'ai 5 mini-potes. Il y a la zone qui avance là. Voilà. Parce que là, tu vas me dire, mec, qu'on va être 13 sur cette zone. Là, ça va être chaud. Chaud. Ah bon. Ah mais moi aussi, ouais. À ton avis, est-ce que tu prêtes le jeu? Est-ce que je prêtes le jeu ou non? Quoi? Si jamais on doit se casser un truc, on va être bien. T'as le ralenti la zone, tu peux aller tranquille, frère. Ah, y'a Vla, le monde, ils sont tous là-bas. Y'a un mec en bush, y'a un mec en bush, tu l'as vu. Y'a un mec en astronaute, tu l'as vu aussi. Avec ça. Ah mais gros, je sais pas, j'ai pas de truc. Ah mais gros, je t'ai dit, ça allait être le bordel. D'ailleurs, regarde là, attends, attends la fin là, tu vois. C'est le Bagdad là. Encore, tu vois, t'es. Avec son pote là. Les enculés. Mais les gens ils doivent jouer comme ça. Les douaniers c'est ils sont éloignés lui. Ah non, il est en train d'aller le voir. C'est bizarre ça. Voilà. Ce salope. Ouais, il est dans le groupe avec moi normalement, ce con. Oh, 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 calm down, bro. Check Nas, il faut que tu l'invites parce que moi je peux pas l'inviter, j'ai oublié de marquer son pseudo dans le truc. Et puis même lui, il aurait pu rejoindre ce truc de balle, il a ouvert le groupe, non? Je sais. Merde. Ouais, Rani bah, Tango. Bah, je suppose. Rani Tango. Rani Tango. Rani Tango. N'importe quoi, vous êtes grave, vous deux. N'importe quoi, grave, vous deux.
Ah, Pélo, tu nous as pas eu tous les deux, Pélo, c'est un scandale. Je sais pas, on a fait tellement de trucs, quoi. Là, ce week-end, j'ai trop pris mal dans le crâne. Ça y est, Clément, dis-lui, nous, tout ce qu'on s'est pris dans le crâne, toi et moi. Ah oui, nous, on a pris des trucs dans le crâne. Hein. Et pas que du liquide. Hein. Clément, il soigne des grosses bites. Dieu, gueule. Oh, t'as kiffé ma nouvelle board? Ouais, elle est trop belle, mec, elle est trop stylée. En plus, tu l'as pris en 8-5, alors du coup. Ah ouais, gros, c'est pète sa mère, c'est de la larve. C'est pète sa mère. Et t'as vu, je galère pas à bet flip. Genre, gros, je le mets. Au contraire, je le mets force try avec une bande. Ah, en plus, toi, tu le mettais déjà bien. Bah ouais, elle est un peu plus loin, mais au moins, t'es bien stable quand tu prends ton appui, genre, je pense. Ah ouais. Et même les roues, Pelou, j'ai acheté des roues bonnes, gros, elles étaient à 36€ à CDK. Wesh, gros, bah, elles sont star. Ah ouais? Ah ouais, les meilleures roues. Mais la planche, tu l'as reçue, par contre. Non, non, même pas, je l'ai acheté à Wall Street. Ah, ok. Putain, ils avaient une planche palace. Gros, ils ont là les planches palace, Rip and JP, tout. Hein. C'est bizarre, ça. C'est tant mieux, tu t'aimais bien. Ouais, en plus, elle est pas chère. Genre, elle était à 59 balles. Ma putain. Ma putain. T'as vu? T'es mis ultra bien, mec. Ultra bien, mec. En plus maintenant, avec le curb et tout là dans ma cour, je te mets là les 50, j'ai le plan 1. C'est le fun. Putain, moi je faut que m'amuser, ouais, je suis bien ton truc là. C'est le fun. On va faire un insta clip de seigneur. On va faire juste sur ton balcon. Oh, l'insta clip de l'éco plus, car il y a plus de skate park. Skatepark Eco Plus, mec. 10,25 de sucre. Salut l'élite, 10,25 de sucre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un skatepark de seigneur. On est en compagnie d'un abonné, Nassim. Nassim, tu peux te présenter en deux mots. C'est toi, Pélo, l'abonné. Tu seras un abonné, tu seras... Je vais une chaîne YouTube, je fais des tutos beauté, moi, je t'en tue. Ah, Sterf. En plus, les mecs, ils feront des trucs... en plus, voilà, rapide, il y a des gens. Ouais, t'en joues. Dans la merde. Par les couilles, frère, je suis sur ma maison. Personne ne peut m'arrêter. Pokémon, arrêtez-les tous, notre histoire. Sucer des bits, c'est jamais trop tard. Ah, venez vers moi. J'ai pas de pompe. Oh, j'ai eu qu'une air. Oh, le loot. Oh là là. Il y a un pistolet, yes. Ah, il y a des mecs aux maisons. Putain. Faut que je sorte, faut que j'aille vers vous. Qu'une air, c'est tellement la fraise. Oh, je suis trop violent. T'es en train de la game. Jean, allez, j'ai pris le truc pour me faire voler, je vais aller me looter au camp de gitans. Ah, oh, c'est trop bien, le truc qui te fait voler à retail, Pélo, il te fait atterrir direct sur toi, là où il y a les deux coffres. Non, ça va l'attirer. Regarde le c'est trop marrant. Tant mieux. Je préfère entendre vous rigoler parce que vous les niquez que vous faites niquer parce que moi je suis quand même gitan. Y'a un mec, il arrive, il lag, tu vois. Moi je les attire. Il les attire en train de danser, ce con. Et lui, il les attire. Il est trop fort, ce mec là. Ils arrivent en plus, mais gros, je t'explique. En fait, quand t'entends Nassim danser, t'as tout de suite envie de venir. C'est plus fort que toi, mec. T'as envie de rigoler tout le temps avec lui, tu vois. De passer toute ta vie avec lui, quoi.
Ouais mec, nous on en a passé des moments. Oh ça se castagne. Ça la castagne. Ah mais ça tire. C'est la castagne. Papa, la compte t'es mort, papa. La compte t'es mort. Si j'arrive en quad, voilà, j'ai pas de shield, je m'en bats les couilles. Je suis là, je suis en 7. Allez, backflip, frère, je m'en bats les couilles. Voilà. T'es mort. Alors, il y a aucun compte ici. Ouais. Putain, mais non, je vais mettre le... Mets un feu de camp. J'en ai pas, moi. Mets un feu de camp. Putain, j'ai pas de popo, faut que vous trouviez de la popo aussi. Mais je pense qu'il y a pas tout qui a été looté là. Il y a moyen de trouver de la popo. Bah ouais, regarde, je viens d'en trouver. Allez, hop. Je vais en lâcher une et je te dirai où elle est. Je te la ping. Elle est là, là. Tu vois ce que j'ai dit? Oh, il y a un snipe. Un snipe ennemi, je crois. Dis-moi, je me loot en deux spies là. J'ai lâché une petite popo qui porte toi. J'en avais trois de camp. Je vais les mettre les deux Nako comme ça. BM. Bah j'en ai encore un autre, attends. Modifie celui-là là. Ouais, y'a des coffres et tout, ça a pas été tout looté. Par contre c'était kill snipe, c'était kill snipe. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Il a tiré sans fait exprès. Ah ok. Putain, faut que j'aille chien, faut que j'aille chien là. J'aurais dû aller chier pendant que vous finissiez. Mais tu casses les couilles, Clément, il est là, ouais, vas-y, tu sais, pendant la partie, ouais, vas-y, je vais manger, ouais, vas-y, je vais chier. Frère, ta mère. Ouais, vas-y, tu fais chier, pédé. C'est là qu'on a rentré un KB. Pélo, t'es là, tu sais pas narrater. T'as l'air la narratrice qui sait pas narrater. T'es là, tu fais le mec, mais voilà, t'es pas mais carré. Mais t'es une meuf. Tu fais le mec, mais t'es une meuf en fait. Il est là, sa daronne, elle se doit sur un mec de bouffe, t'es folle. Hello, t'es là, tu pounes sur des meufs de Badou, frère. Ah, mais gros, ton père. Mais tu veux quoi, ton père, gros. Ah, ton père, il s'appelle Osger, il vend des yogourts. Fils de pute. C'est bon. Ta sœur, c'est Michel Drucker. Et vous êtes là où vous faites des trucs consanguins, bande de dégénérés de votre race. Oh oui. Oh là, oui. Ah, y'a grave des trucs à looter encore, c'est trop bien ici. Putain, mais il me faut un vrai pain pour l'aradim. Pataya les cakes. Oh yes. Ah, mais on va à Pataya des oies. Non, ça va être hors zone. Ah ouais, non, mais genre à Paradise alors. Ah, il y a une grosse popo là pour ceux qui veulent. Je vais la prendre sur moi. Oh là. Je suis cher bien. Il manquerait plus que j'ai une Thompson en bleu et c'est énervé. Oh, il y a des piments partout là. Ça va nous rush. J'entends, il y a des mecs chelous qui se promènent vers moi. Ça va me rush. Ouais, j'arrive, je prends un piment, j'arrive. Mais c'est vrai. Je sais, t'inquiète. Ça m'arrache. Attends, j'arrive. Bah bien sûr. Y'a un jump. Attends, je vais mettre un jump.
Viens vers moi. J'ai mis un point, je suis là exactement. Donc, je t'avais dit qu'il y avait des mecs. Là. Là. Regarde le trick shot que je vais faire. Je suis 33. Elle est chère, son pote. Il y a son pote. Mais non, vas-y, mais t'as pas buzz. C'est mon kill. Laisse mon loot. Foiré. Y'a un kit pour toi, j'aurais de la. Et y avait une petite à un endroit. T'inquiète, j'ai deux midi potes sur moi. Ça va, je vais au moins niquer un mec parce que l'autre, je l'ai fait mal, mais je l'ai pas niqué. Ah, c'est des enculés, je cherchais mon coffre tranquille, ils viennent me rusher, ils me foutent la mort là, ils me cassent les couilles comme ça. Y'en a une, faut la chercher, elle était là-bas. Je l'avais pingée. Elle est en face, de l'autre côté. Ah! Ah les gars. Et où? Il est en haut, c'est un enculé, je vais aller le rusher lui, il m'a enlevé tout mon shield. J'ai mis mon feu de camp, t'as mis ton kit, attends, j'ai des trucs j'ai des trucs pour monter. Y'a son pote. Venez me réa, venez me réa. Viens, viens, viens. Putain, j'ai tombé. Je suis invisible. Dans ma carte. Dans ma carte. Remets là. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Il va venir vers moi avec le feu, il va finir. Ouais. Pédo, ah, il était chaud, gros, il était chaud. Ouais, mais même, Pédo, vas-y, j'ai tiré, il a pas passé. Ouais, mais c'est pas parti le coup, j'ai Charlène. Cette putain de mange merde là. Vas-y, je vais couler un bronze. Un bronze. Je casse les couilles. Oh, voilà, frère. Je m'en bats les couilles, je vais aller couler. Je vais lancer la game, je vais mettre mon parapluie, frère, et je vais rester dans les airs et couler un bronze. Voilà, frère. Qu'est-ce que tu veux? Putain, comme je suis impatient d'être samedi, Zabi. Eh ouais, t'es con ça. Hein. Ah, Pélo, en plus, j'ai mon nouveau téléphone. T'as vu quoi? Nouvel ordi. Et bah, en vrai, t'as vu, je voulais me prendre le XR et je vais réfléchir, mais je pense que je voulais me prendre le XS. Mais je vais réfléchir, en vrai je pense que je vais prendre l'XR parce que l'XS il est trop cher et j'ai pas envie de remettre 1200 balles dans un téléphone, Pélo. Non mais surtout qu'en fait moi t'as vu j'ai l'iPhone 7 Plus et en gros tu sais c'est quoi la différence entre le XR et le XS? C'est quoi? C'est que sur le XR t'as pas le 3D Touch, à skip y a un moins bon son, c'est la qualité du son du téléphone il est moins bon. Et t'as pas l'OLED aussi, l'écran c'est pas l'OLED, tu tapes un LCD, mais par contre Askip c'est un super bon LCD, mais voilà. Ouais, non mais c'est LCD, c'est et pas et voilà, et c'est tout, et t'as pas le double objectif. Sauf que Pélo, moi j'ai un iPhone 7 Plus, et que tout ça là, et bah je l'ai. Ah ouais. Donc en vrai je vais garder mon 7 Plus, c'est tout ça tu l'as. Mais je vais le garder mon 7 ça, Plus. Ça sert strictement à rien, si tu changes Pélo c'est pour avoir le meilleur truc. Mais non, mais le 7 Plus, je vais le garder. De toute façon, Pélo, c'est quoi? C'est juste quoi? C'est pour le. Il va manquer quoi, frère? Juste le filming, Pélo. Et j'ai un iPhone 7 Plus, donc je vais. Ah si, filming, tu t'enlèves la prise directe. T'as tous les mêmes trucs, et en plus, tu t'enlèves la prise directe. Et tu payes plus cher. De quoi? Bah là, pour le XR.
Et bah, je te dis, prends le X normal. Non, parce que le X normal, il va commencer à être trop vieux déjà. C'est pour ça que je voulais le prendre. Mais Pélo, je voulais le prendre. Le XR, frère. Ok, il est plus récent, mais t'es ma. Le mien, il est plus vieux, mais j'ai l'OLED, j'ai le 3D Touch. Non, mais oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est la différence, mais. Bah ouais, mais bon, voilà, moi je m'en bats les couilles, tu vois, j'ai un 7 Plus, donc frère. Ouais, je sais, mais je m'en fous, moi j'ai mon 7 Plus, tu vois, donc je m'en bats les couilles en soi, tu vois. Et le 7 Plus, je le garde, je peux pas le revendre à Apple. Sinon, je l'aurais revendu. Bref, tu dois pas Apple, chier, là, de toute façon, tu casses tes couilles, arrête de raconter ta vie. Eh bah vas-y, je vais chier, là. Gadji en train de live et tout en même temps. Les couilles là pour l'instant. Pareil. Voilà, là ça va mieux, je vais arriver à jouer. Ouais, je lâche un gros kick, oh, voilà. Au pélo tout à l'heure, il y a eu un fou à Inter, frère. Quoi? Il y avait un fou tout à l'heure à Inter, pélo. Un gros. Raconte, un vieux pélo, t'as vu, genre un vieux schlag et tout, t'sais, un alcoolique et tout. Un schlag et tout. Ouais, de en gros, t'as vu la semaine dernière, genre en fin de semaine, il y a un pélo et tout, un mec, genre il a essayé de voler une bouteille d'alcool, tu vois. Ouais. Et sauf qu'il s'est fait choper et tout, et genre du coup, t'as le directeur et tout, et il a fait quoi à la ZEB, il lui a dit, ouais, il lui a chopé son téléphone et ses papiers, et il lui a dit, bah, vas-y, tant que tu ramènes pas l'argent pour ce que t'as volé, bah moi je garde ton téléphone et ta carte d'identité, tu vois. Ouais. Bref, le pélo, il s'était barré et tout, machin, il avait le seum. Et aujourd'hui, pélo, il est revenu en fin de journée, tu vois.
Sauf qu'il y avait plus le directeur et tout. Et il est revenu et tout. Déjà, Pélo, je l'ai vu. Putain, moi, je l'avais jamais vu. Déjà, Pélo, je l'ai vu. J'ai tout de suite su Pélo qu'il allait avoir un truc avec ce Pélo. Oh, le Pélo, un vieux chelou avec cheveux longs et tout. Genre, les yeux rouges sa mère, tu vois. Il faisait bourré et tout. Bref, j'étais à mon rayon et tout. Et d'ailleurs, Ascubré, il a viré sa mère. T'as vu l'entrée d'Intermarché, elle est tout au bout en face de mon rayon, mais tout au bout de l'autre côté, tu vois. Donc je vois vite fait, tu vois. Et genre là, j'étais tranquille et tout. Là, je commence à entendre des cris et tout, machin et tout. Genre en gros, je vais voir et tout, tu vois. Ouais, Pélo, ouais, il gueulait et tout, le Pélo. Et il gueulait et tout, alors qu'il y avait cher du monde, il gueulait, machin et tout. Et en gros, il disait quoi? Je vais voir et tout. Et là, il y avait un Pélo qui travaillait avec moi, un collègue, un daron, genre, et puis le vigile. Ils étaient tous les deux sur le mec. Ils l'avaient plaqué au sol et tout. Et genre, c'était n'importe quoi, Pélo. Et en plus, genre, après le Pélo, il a fait semblant, genre, perdre connaissance. Donc, genre, ils ont commencé à le lâcher un peu et il a sauté sur un des collègues, genre. Genre, il s'est réveillé, il a fait ah! Bah, en gros, mais c'était une feinte, tu sais, parce que ils étaient à deux sur lui, donc il était bloqué. Donc, Pélo, il a commencé à faire ben 9, il perd des connaissances, je sais pas quoi, et genre là, il a commencé à sauter sur un des deux, t'as vu. Alors apparemment il a baissé son futal devant tout le monde et tout à l'aise tout à l'heure, vers en fin de journée Pélo. Vers je sais pas 6h. Non, après ça s'est passé comment? Bah après je sais pas, moi je suis retourné à mon rayon et voilà, bah les couilles tu vois. Et j'ai pas demandé, mais en gros, parce qu'en gros ils avaient appelé la police. Sauf que t'as vu, le temps que la police elle arrive, fallait le retenir, tu vois, donc voilà, bah je sais pas, je pense les decks sont venus le chercher normalement. Je pense qu'il va se faire une petite gelée, ça va le calmer. Je vais faire pareil à ton boulot. Et je vais arriver, je vais me mettre à poil, je vais faire oh Clément, j'ai envie de baiser. Vas-y, je vais me rouler un berlingot. Je vais me rouler un petit berlingot. Mais non, vas-y Arsène, y'a pas le temps. Moi aussi, tranquille, mais t'es en week-end toi, suis ma vite. Mais t'as collé Pélo, là je suis au lycée. Ah merde. Ça c'est chum ça. Ce genre de bail, le lycée. C'est chiant. Après j'avoue le lycée d'Ardi, moi j'aimais bien Pélo, il est bien. Parle dans ton micro. Avec toutes les petites serveuses là, les petites zoulettes. Ah je les baise, j'en ai violé deux déjà. Dans sa petite Zana, Xara, je sais pas quoi là. Et maintenant il va repasser dans la 207, attention. Tu l'as quand normalement, Tavago? Vendredi. Enfin, genre fin de semaine. Ou lundi. Inch'Allah. Inch'Allah. Y'a pas de chat là. Oh, El Polo, c'est le Mano, c'est le Faco. Ouais, tu sais que par contre, la vie de ma mère, si genre ma chaîne elle marche un peu et tout, et que je commence à arriver à faire des featuring et tout. Tu sais, ça sera quoi un de mes premiers featuring? Parce que lui, je pense, il a pas trop la grosse tête, il y a moyen de faire un truc avec lui facile. El Pueblo, Pélo, la vie de ma mère. J'essaye de l'inviter et tout à Lyon. Alors, invite-moi. Mais la vie, si genre il vient, parce que si genre il vient à Lyon et tout, il va falloir faire dormir quelque part. Il va dormir chez moi, la vie, je t'invite, Pélo. Mais ça va faire sonner avec quelqu'un. Tu vas commencer à avoir ton ordi. Les gars, on va le faire fumer, El Pueblo. Allô? Après, va nous faire allez, un truc de coffre. Visite ma club, j'arrive, les gars. Vas-y, quoi, fume ta club. Mais par contre, fume-la, tu la fumes comme un pompier, tu la voles, genre. Et là, ah, tu c'est... fais, il y a un problème. On va le faire fumer, après, il va être défoncé, il va faire son truc éco plus, Pélo. On va chat rigoler. On va lui prendre un carton. Et on se bat et on le laisse casser. Après Pélo il va faire une choucroute au poisson éco plus. Et en fait genre il cul sa queue au micro. Et Pélo tu sais que je connaissais pas, tu sais que Pélo Starf, tu sais que ça existe. Ça existe. Choucroute au poisson frère, je te jure, je te mens pas, je suis choqué. Ça fait déjà deux personnes qui m'ont dit ça, genre je connaissais pas du tout. Y'en a des yes, fois ils viennent prendre de la, manger de la choucroute. Ils me disent ouais on va faire une choucroute au poisson, nanana, moi je viens dans ma tête, j'ai jamais goûté Pélo. Mais dis-leur nique ta mère.
Mais grave, j'ai envie de leur dire ça. J'ai envie de leur dire, mais nique ta mère, une choucroute au poisson, Pélos. Si tu faisais une charba au peur. C'est comme ceux qui mettent de la saucisse, frère, dans le couscous. Non, une fois le pire, dis-toi, j'avais un peu de cul, tu vois, vers Saint-Chamond, style. Et en gros, il avait. T'as vu là où il habitait chez son père, ses parents étaient séparés. Là où il habitait chez son père, il habitait dans un château, parce qu'en gros, c'était à sa grand-mère, je sais pas, enfin voilà. Et en gros, ça faisait un gros, tu sais, jardin avec un étang et tout. Et il y avait un petit cabanon, tu vois, pète sa mère. Et nous, on faisait soirée dans ça et tout, tu vois. Et un jour, il y a un rebeu qui vient, il avait un pote rebeu et tout, un rebeu char sympa, tu vois, il vient et tout, il ramène la chicha, pète sa mère, enfin voilà, tu vois, il dormait avec nous, tu vois, il passait la soirée. Et on fait à manger, tu vois, pour tout le monde. Et en gros, genre, il cuit les knackis, tu vois, c'est du peur et tout, il les cuit, genre, dans l'eau. Et en gros, il y avait plus d'eau, parce que, tu sais, là-bas, il y avait pas d'évier, tu vois, c'était dans un charican, genre l'eau, tu vois. Et il y avait plus d'eau dedans, donc t'as vu, la seule eau qu'il y avait, c'était celle dans la casserole. Et cette balle, il avait cuit les pâtes et tout. Et genre là, il avait pas encore enlevé les pâtes, il commence à mettre les saucisses dedans. Ça fait le pélo, il pouvait pas manger les pâtes. Bah les saucisses, c'est du peur, pélo, elles ont touché les pâtes et tout, frère, il les a cuits avec. À la fin, ce trou de balle. Sa mère. Bah ouais, mais non, l'autre. Ah, il gros, était ça muselé, fait une fusion genre, de saveurs, t'as le mélange non, de, mais... de la 5 Naki Ball. La 5 Naki Ball, bah non, mais l'autre frère, c'était un rebeu. Voilà, c'est tout, Pélo, il mangeait pas de peur. Donc voilà. Trop con. Moi normalement je stresse trop, mais s'il n'y a pas de soucis, samedi j'ai mon PC. Déjà là, s'il n'y a pas de soucis, jeudi je mets une.